Et donc si tout le monde sait, Matt Morgeux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc après 3 mois d'absence environ, on se retrouve, voilà, donc je vais progressivement reprendre ma chaîne. Donc on se retrouve sur Shootcraft, là, dans 3 secondes ça démarre. Donc voilà, ouais. On a déjà un kill, on est sur le tableau. Donc faut attendre que notre barre recharge. Allez, on est déjà à 2, on est le seul à avoir fait un score, non c'est bon. Donc j'ai l'avenir de la chaîne, ça va être quoi? Ça va être que je vais faire surtout du build de bateau. Parce que les maisons modernes, j'ai vraiment du mal, j'y arrive pas. Bah vraiment, j'y arrive plus beaucoup. Et puis vraiment que le moderne, c'est vraiment complexé, on va dire ça comme ça, même si ça n'existe sûrement pas. Ça, c'est beaucoup plus complexe maintenant, puis je sais plus faire. Sinon les bateaux, j'y arrive de mieux en mieux, surtout les yachts, c'est pour ça que je vais faire des bateaux. Donc surtout en tuto, beaucoup de présentations aussi, parce que ça, il y aura surtout ça sur la chaîne, quelques petites vidéos comme ça, comme du Shootcraft, plein de trucs comme ça, juste pour le plaisir d'en avoir. Et puis sinon c'est tout, donc j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes, que vous avez eu des cadeaux qui vous ont plu, plus ou moins, parce que ça dépend de ce que vous aviez demandé. Voilà, donc n'hésitez pas à dire ce que vous avez eu dans les commentaires. N'hésitez pas à me conseiller des trucs pour l'avenir de la chaîne, ce qui serait bien. Par contre les Hunger Games je n'en ferai pas, parce que comme vous le savez en ce moment les Hunger Games c'est la mort. Il y a trop de teams et tout, donc voilà. Donc je ne ferai pas d'Hunger Games, sauf si des serveurs ouvrent des nouveaux. Parce que j'ai vu que ça allait peut-être arriver. Donc voilà, et puis c'était des serveurs faits exprès parce que c'est des personnes qui n'aimaient plus les teams, mais qui n'aimaient pas les teams tout simplement. Et donc qui ont créé un serveur, qui veulent créer un serveur et c'est en cours. Voilà, donc peut-être sur ça. Donc peut-être des Hunger Games, mais plus tard. Bon voilà. Donc là c'est la map montgolfière, donc il reste plus beaucoup de temps, je sais pas combien de temps il reste d'ailleurs parce que c'est un peu caché. 2 minutes 17 peut-être là. Donc voilà, donc j'espère que ma petite animation de feu d'artifice vous aura plu. C'était un petit extrait parce que sinon c'est vraiment long à passer tout le feu d'artifice, mais voilà. Donc j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre aussi dans les commentaires ou à aller voir si ça vous plaît. Donc c'était la vidéo postée à minuit le 1er janvier tout simplement. Alors allez, par contre là ils sont dans le sol, ce qui est vraiment très très dur à voir du coup. Donc là on a un VIP. Oh j'aime pas cela, ces couillons qui font que de sauter sur les tapis pour kill, c'est vraiment dur à voir. Donc allez. Donc là, je sais pas pourquoi j'ai pas beaucoup de kills, contrairement à d'habitude. Mais faut vraiment rusher, il y en a qui font que de camper alors qu'il faut rush à mort. Pour éviter de se faire toucher, puis c'est plus facile pour kill aussi. Ça aide un peu partout du coup. Regardez-moi quand je passe là souvent, c'est je file tout droit pour aller à l'autre plateforme et les avoir plus facilement. Bon, j'ai que 9 kills, faut que je fasse plus que 12. Bon, normalement, j'espère y arriver. J'espère que ce sera pas trop compliqué. Alors, est-ce que je l'ai eu? Oui, j'ai dû l'avoir en plein vol, l'autre là. Allez, il faut que ça recharge. C'est vraiment long, c'est pour ça que c'est bien d'être VIP. 1,8 secondes, je crois, pour recharger le bâton. Alors, oh, voilà ce que j'aime pas. Voilà. Bon, l'autre qui campe sur son arbre, et puis là, le spawn kill, vraiment dégueulasse. Souvent, ceux qui gagnent, c'est ceux qui spawn kill, mais c'est vraiment nul. Et c'est vraiment pas bien joué de leur part. Bon, j'espère être sur le podium. Ouais, je suis 3ème, bon c'est plutôt pas mal, et j'ai du level 2 sûrement. Donc on va peut-être se refaire une autre partie, vu que ça dure pas longtemps, sur la même map, essayer de battre notre score.
Donc voilà, lancement, on va attendre 30 secondes. Donc je vous conseille de rusher un peu partout au début, attendre que les mecs y viennent et rester à côté d'un mec et de spammer votre souris à moins de 5 secondes. C'est bien des fois, mais il faut sauter et courir partout. Des fois, vous pouvez faire des fois de 360 et puis les avoir. Faut vraiment bouger, bouger là-dessus. Donc vous voyez, là, il y a un mec. Voilà, bon, là je l'ai raté, il m'a eu. Bon, c'est ça arrive des fois, hein, c'est comme ça. Alors, on va l'attendre, il est où? Ah, en haut. Allez, vas-y, hop. Ah, on est sur le podium. Bon, je trouve que j'arrive mieux à kill en plein vol que quand ils sont sur terre. C'est vraiment n'importe quoi, ça. Allez, voilà, encore une fois là. Ah, voilà, est-ce qu'il y a marqué Kikou sur son truc, je sais pas. Peut-être que oui, hein, je sais pas. Alors, hop. Oh, quoi, n'importe quoi là. On est quatrième. Bon, il va peut-être falloir faire un troisième kill. Cet après-midi, c'est dur. Hein. Ce matin, ça allait encore, mais là, cet après-midi, c'est vraiment dur. Allez, voilà. Et je me demande s'il y a beaucoup de personnes là-dessus, parce que normalement c'est un serveur pour 8 personnes, là. Bah, c'est une partie 8 personnes, mais je sais pas s'il y en a 8. Hein. Et puis l'autre là. Tiens, boum! Oh là là. Okay. Oh, j'aime pas ceux qui sont là. Elle avait le même skin que moi avant. Tu vas voir ce qui va t'arriver, toi. T'es où, t'es là? Ah putain, bah il a dû se faire dégommer. Alors ils sont où c'est? Voilà, allez, hop. Bon, je l'ai raté là. Tiens, deux en même temps, armure activée qui ne sert strictement à rien parce que je crève quand même en un coup. C'est totalement n'importe quoi cette armure. Alors que les autres, ils crèvent en deux coups. Allez. Putain, il m'a piqué mon kill, l'autre couillon. Allez. Bon, des fois, ça arrive de faire plein plein de kills en même temps. C'est plutôt rare. Et voilà, il m'a eu, il m'a eu. Bon, je suis toujours troisième, là. C'est un peu agaçant. J'aime bien être premier là-dessus. Surtout que c'est simple, des fois. Donc, voilà, hop. Il y en a qui tirent même pas du tout, ils te foncent dedans, mais non. Tout est normal. Pouvez pas s'y mettre avant le mec en fait, non. Allez hop, tiens. Voilà, et lui il avait une armure, bon je l'ai pas touché, mais je l'aurais tué qu'en deux fois. Oh je suis premier, voilà, enfin. Bon, non. Je me suis fait rattraper. Je crois que j'ai déjà joué contre lui ce matin là, le Guy. Ouh, je suis pas tombé. Ouh, je suis tombé, mais je suis pas tombé dans le vide. Ce qui est quand même vraiment. Là, je suis vraiment chanceux, il a là. Allez. Bon, là, je suis mort. Bon, là, il s'est fait plaisir en tout cas, parce que l'autre là, 17, il m'a bien rattrapé. Wow. Ah bah il s'est fait pulvériser. J'aimerais bien pulvériser l'autre moi. Allez hop, il s'est fait avoir. On va essayer d'aller voir lui là. Il fait son malin, non? Il doit être en bas parce que j'en ai vu un en bas. Alors bon, il est remonté. Bon, des fois il marche mal. Tiens, vous voyez, je l'ai touché. Il a perdu juste son armure. Alors que moi, je crève en un coup quand j'ai ça. Allez. Bon, des fois, il bug un peu. Hein. On va excuser ses tapis de bugger. Hop, touché. Magnifico. Magnifique. Quoi, je suis que troisième là? Bon. Là, j'ai quand même bien rattrapé.
Bon, je me suis gouré. Bon, il me faut 2 kills, non. Bon, toujours troisième, donc. Bon, je suis bien le petit troisième, donc voilà les niveaux. On va faire un slash level. Et je suis level 2. Voilà, donc un tout petit niveau comparé au 86 pour le premier. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner. Et bah, continuez à suivre mes vidéos. Et n'hésitez pas à poster le petit commentaire qui va bien. Et donc sur ce, salut tout le monde.